Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur We Happy Few pour le troisième épisode de notre petite aventure. On s'était arrêté, on avait été redonner les médailles aux vieux là qui tenaient ces petites maisons là juste à l'entrée du village et il nous a donné la carte pour pouvoir passer. Du coup maintenant on va nécessiter de courant. Hop, on met ça et on met la carte. Voilà, au moins on peut passer. Là ici je vais tout fouiller de toute façon. Bloody hell, I'd forgotten about the revolvers. If I go through without taking my joy, I'm gonna get spanked. I better run like hell when it lets me out. Oh dear. What? Ça commence déjà bien. C'est quoi, c'est une alarme? Attention, je suis rentré ou... One bridge down, and I'm off to the train station. Bon, ça va de loin, on l'entend plus, mais bon, ça me fait peur quand même. Oulou. Il y a des trucs qui volent. This is where we hang them, isn't it? They broke into the police station, tried to burn the register so the Germans wouldn't know which kids to take. We didn't want the Germans to be angry, did we? We were so scared, or maybe just so tired. So we hanged them, to encourage the others. I wonder if we'd made the Germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing London Bridge, if things would be different now. Bon appétit! That's the worst thing I remember. Alors, si vous savez pas pourquoi les gens en ont après vous, consultez l'écran d'état, juste après ça, vous sélectionnez cœur. Besoin, altération d'état. Signe vitaux, attendez, là, je vais voir perte de mémoire 0%, santé ça va, fatigue ça va pour tout, l'armure, vitesse de déplacement 135, ok. At least I can get on the train tracks there and get the hell out of town. C'est dommage, j'avais des pendules là, j'aurais voulu voir s'il y avait pas quelque chose sur eux. To be able to see it from a distance. La nuit seulement. Ah, d'accord. Bah, c'est presque la nuit là, arrêtez, foutez pas de ma gueule, wesh. Ça, je prends. Je sais pas à quoi ça me servir des roses, mais je prends. Oh, il y a une petite bobette. Est-ce que il va vouloir me taper? Hey, a water pump. Go away. Nice. There's a few more in the garden this way, aren't there? Well, to fill up the canteen. Alors, lorsque vous consommez de la nourriture, votre endurance maximale est accrue pendant un court moment. Quand vous êtes trop faim, votre endurance maximale est réduite. Ok, je me casse. Save a bit for the next minute. Il me suit encore son forêt. C'est bon, il me siffle. On va aller voir dans la maison là-bas. Là. Est-ce qu'il y a des maisons qui sont ouvertes? Pas du tout! On va aller à notre point. Hein. Peut-être que je me rhabille bien en fait. C'est où qu'on s'habillait là-dedans là, là? Ah merde, j'avais fait exprès de me déchirer le truc. Vas-y, je me mets à poil, wesh. Merde, attends, il est où le truc? Putain, ils sont où mes vêtements? Là, hop. Kit d'extension, je sais pas ce que c'était. Putain, ça c'est la carte, ok. Ok, ok. On peut rentrer? Pas du tout. Oh, un téléphone! Bien défoncé. Hop. Souverain. Des pièces.
Y'a rien d'autre? Non. Là... Oh, attends, il y avait un truc là. Il sera à la voiture, je sais pas quoi, mais... On peut se cacher dedans. Waouh! C'est vrai que j'avais déjà vu ça la fois dernière. Putain, mais dans toutes les maisons, on peut pas y aller. La nuit, les bons citoyens sont chez eux, sur leur couette. Si la police vous trouve en train d'errer dans le village en pleine nuit, vous risquez de recevoir une bonne correction. Ah, je peux que... On y va là. My God, they've kidnapped some poor woman. I could be a real hero and rescue her. Oh. Or get myself killed. What? Jean m'a vu. Oh. Hop. Je sais pas, j'ai croisé tout à l'heure lui. Félix, je sais pas quoi là. De criquet. Comment il est passé lui? Oh. Hop. Oh, please don't struggle. Jean, clé. Merde. On se touche. En fait, en le poussant, ils prennent tarif. Hein. C'est bon, j'ai récupéré une autre branche. Il m'enroule là. Et une autre branche. Dans le feu, y'a rien. Hop. Je sais pas qui va bouger à dernier moment, c'est ok. Bah tiens. Allez, dégage. Oh, ça a marché. Go. Don't mind me. Just having a bit of a sit down. C'est le mec qui s'assoit là et tout, il attend. Salut. Attends. Par contre, le temps bas là. Non, je vais peut-être pas faire comme lui, je vais pas sauter. Je vais. Allez, passe au-dessus. Tiens, il y a des trucs en dessous là. Il est mort où lui? Je vais pousser de l'eau. Il est où? Bah, what the fuck, il est où? Bah. Bah, sous ma gueule! Je l'ai poussé d'en haut. Mais il est plus là. Ok, j'ai trouvé des clés au moins. Bah je suis pas con, je l'ai poussé d'en haut, il est mort. Ah, attends, il y avait un truc là. Là. Oh non, trust me. Oh non. Hop, voilà. Par contre, comment on va là-dedans là? Comment? Ah bah là. J'essaie de descendre de l'intérieur. Bah attends, j'ai pas une clé. Crochet à serrure. Bah j'ai pas une clé. Voilà. On fout tout. Trouver une gourde. Ah, apparemment j'ai trouvé une gourde. Thank you. Thank you. Ah, il y avait quelqu'un. Come back anytime. I'll make you something fantastic. My savior. Here. I've been cooking.
test this. What do you think? Mec, il en sort de sa poche tranquille, quoi. I ought to drop by someday when I'm in the neighborhood. Stew would be nice, even if it is made out of fungus and leaves. Comment je... Comment je libère? Au moins, il veut rester enfermé dedans. Allez, salut! Je vais check ma vie, là. Parce que j'ai pris un petit peu cher. Santé 64. Tiens, j'ai 3 points. Qu'est-ce que je peux prendre à 3 points? Ça coûte la peau du cul, c'est un truc de ouf. Les trucs coûtent la peau du cul. Bandage... Non. Ça, ça restaure tout, et ça restaure la moitié. Normalement... Voilà, je suis à 100% sain. C'est bonne de soin. Ah d'accord, il y avait une quête. Par contre, wait. Parce que là, mon arme commence à faire la gueule. Du coup, ça, je vais... Hop, c'est quoi ça? Une patte de cricket. Je sais pas si je peux porter plein d'armes sur moi et tout, parce que j'ai un poids, mais j'ai l'impression que je peux en mettre des choses dans mes poches. On dirait Mimimati, quoi. Putain, là, il y en a deux. Je vais pas tenter le diable. And here we are. Not quite as grand as it used to be. Of course, there hasn't been a train since the Germs left. Still, the tracks go from here all the way to the bridge, and then across the river, and then all over Britain. Putain, de partout. I wonder if Prue made it this far. I wonder why Mr. Kite sent déprimé, les mecs. She could have just popped over the bridge from the station at Apple Hall. Oh, please don't make a fuss. Ça me fait penser à Dishonored, en fait. Quand tu kills les gens, tu les assommes et tout. Alors le truc, c'est maintenant comment on rentre. What are we going to do if there isn't food? Will you shut it? I'm trying not to blow myself up. Hey, look up your board bags, I'll piss in your corpses. We're coming for you, you greedy bastard! Go eat a banger, you leaky scanner! Tant de violence. You're done hoarding all the fee meat! Ah d'accord, les mecs vont se exploser comme ça. Ah, ce cri de femmelette. Ah, de me taper, wesh. Putain. I wouldn't be here except for you. Dégage. Voilà. I liked you, actually. Oh, encore un. What the fuck? Faut que je me soigne! Il n'y va pas de main morte, hein. Encore une fois, tape, vas-y, tape! Culé! Allez! Just lie down. Je viole propriété! Eh salut! Moi je te veux du bien! How do I get down to the tracks? You're not... You hear that? Sure!
Putain, je suis en train d'aggro tout le monde, quoi. Putain. What? Je suis un peu en galère niveau armes là. On va tester ça. Oh, 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 mon arme, mon arme, mon arme, mon arme. Oh, 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 oh. C'est de la merde. Ah ah. Vite, bâton. C'est mieux ça. Brave, on mâche et puis les mecs au cul. Fuir est une bonne situation. Ah. J'ai l'impression que quelqu'un est mort. Ok. Ah, déjà une torche à terre, c'est cool. Right. Pelle rouillée. Ah bah attends, une pelle rouillée, c'est une arme ça. Yeah, c'est une arme. Attends, dégâts, niveau dégâts, elle fait quoi? Ouais, elle fait un petit peu plus de dégâts. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de craft des petits trucs hein? Hop. Putain, je dois regarder mes trucs là pour me bien rhabiller. I just have to find the tracks and walk on out of Wellington Wells. Putain, je galère à regarder dans le bureau. C'est normal. C'était bloqué. Oh lolo, que de la merde. Bah moi j'ai une lampe torche. Comment la sort la lampe torche? C'est une arme. Comment sort la lampe torche? Non, c'est des pierres ça. C'est une chamboule lui. Ah. Ah, d'accord, on peut avoir deux trucs. Par contre, ça c'est ouvert là, je peux pas passer dedans. C'est Thomas. Putain, il y avait quelqu'un qui vivait là ou ça se passe comment là? Qui ont avancé. Je pourrais me servir de la du balai comme une arme. Hein. Oh lolo. Je sais pas trop ce qu'il va devoir faire ici là. Je vais sûrement pour la porte. Quoi, il y a un sens. Soyez toujours très prudent. A, D, B, C. Ok, j'ai compris. A, D, B, C. Easy. Ouais, gros lot. C'était téléphoné comme truc, quoi, ça, truc de ouf. Oh là là. Je suis armé, hein. Putain, mais il y a toujours des trucs. Peut-être que je me rapproche de la gare. I'm so sorry, Percy. I should have got on the train with you. Ça fait vachement penser à une gare. The rule was if a kid was a day over 13, what could I do? You could have kept your mouth shut, Arthur, and not told them you were 13. That's what you could have done. Ouais, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la gare. Fuir par les tunnels. De toute façon, je fais ça depuis tout à l'heure de fuir, donc ça change pas grand chose.
Je suis sûr, à un moment, je vais ouvrir une porte, il y aura quelqu'un derrière, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça me sert de ramasser des pièces, sachant qu'il n'y a plus rien. Mis à part si après on retourne en ville, en vraie ville. Et je pourrais acheter des trucs. Qui sait ? S'asseoir. Bon, je sais pas ce qu'il faut passer par là. C'est un peu le bordel ici. Ok, quand c'est long, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de pièces dedans. Encore ? I promised I'd go with him. And you are too old to go to Germany, are you not? Please, no! He can't take care of himself. Je suis sûr, à un moment, je vais t'endormir comme ça, il y a quelqu'un qui va apparaître devant moi, je vais rien comprendre. We don't make the rules anymore, Mr. Hastings. I shouldn't have told him they got my birthday wrong. I don't even know why I did. Should have just kept quiet. C'est que j'ai ramassé des trucs atterrissants, dis donc. Une pelle toute neuve. Par contre, ce que j'ai ramassé, ça ressemblait pas vraiment à une pelle. Hein. J'ai 61 livres et 90 sur 102, ok. Donc ouais, il y a bien un système de poids. Non, pas de fléchettes. Pas ça non plus. What? Bah, où ma torche? Allez, où ma torche? Fléchette. J'ai plus de... Mais what? J'ai plus de torche. Pourquoi j'ai plus de torche? D'ailleurs, j'ai vu que j'avais de la malbouffe là. Ça. Ingrédients de fabrication. Bah non, je pense avoir des carottes pourries et tout, mais voilà. Bon, par contre, j'ai perdu ma torche. Where is ma torche? What the fuck? Bloody hell. There's been some sort of caving. So much for walking down the train tracks to the Britannia Bridge. What the fuck do I do now? Oh, look! It's a little lost lamb. Where's Bo Peep? Eating a curdy way, I bet. That's little Miss Muppet, you Muppet. Can we pound him now? Yep. Venez. Ah. Vous allez succomber à vos blessures, vous devez vous soigner rapidement. Ah, ok. Oh, l'esquive. Putain, ils sont à 3 sur moi là. On va faire ce qu'on sait faire de mieux. Oh mais putain. Oh enculé. Oh. Putain mais laissez-moi me soigner wesh. Galère. Voilà, un moins. Deux en moins. Non, non, non. It's time. Casse les couilles.
Putain. Can't we just agree to disagree? En plus, ils sont rien, quoi. T'as rien pour me soigner? Ah merde! Merde, c'était un truc avarié! Putain, j'ai rien pour me soigner là-dedans, là! T'es vomitif! Allez! Vous faire vomir. Bah, je veux bien, mais c'est lequel? Ok. Alors attends, wait. Parce que là, c'est bien très kit. C'est quoi, kit de réparation? Comment je vais, moi? J'ai pas faim, mais j'ai besoin de santé, j'ai besoin de me soigner. Trousse de couture. Qu'est-ce que j'ai à péter ta trousse de couture? Ça, tu jettes. Ça, je peux pas. J'ai rien, rien du tout. S'il y a du soin, je suis preneur. Hein. Ah, il y avait un truc de soin. La soin. Voilà. Si vous êtes demandé. On va essayer d'aller dans un endroit safe quand même. Cette partie pour être tranquille. Du coup, on va regarder tout ce qu'il y a à prendre ici, puis après je pense qu'on va pouvoir se quitter là. Hop. Remonter à l'étage. Ok, je vois rien. Ça va servir à quelque chose le piano. Donnez-moi des pièces. Je suis armé. Ok. Bodo. That's Ollie. Ollie! Come for me, have you? Ollie? I'm Arthur! You won't get me! You won't get me, you bastards! Ollie! No! It's Arthur! Bloody murdering wastrels! You got mental! I'll save you, Margaret! I'm your old neighbor, Artie! Always lying! Little Artie! Artie's gone! They took him away! Ollie, no! They You're didn't! You're lying! You're a waster! Ollie, it's Arthur! Well, why didn't you see that before? Lol. Oh my god, Artie. Little Artie. Yeah, for fuck's sake. Watch your mouth, laddie. Yeah. What'd your mum think? I thought they took you away. No! They had my birthday wrong. What? Sorry? No, of course not. No, you've got it all wrong. That was Jack turned you in and I what tried to save you. Right. I remember now. You came back. From the station. The only one. You don't think they hurt him? Percy.
The Germans aren't animals, you know. They just wanted to make sure we stay quiet. And we did. Spot of tea? That's very kind of you. I'm not thirsty. That's right, Margaret. We have to run after water. I have to find him. Any idea where he might be after all these years? Not really. I know I have to get out of Wellington Wells. I thought I could take the train tracks to the bridge. Aye. The only way to the Britannia Bridge is the train station and the parade. And good luck getting into the parade. You could stay here. Remember when you and Sally used to stay with me? But it's young Artie. Meg, you remember Artie, don't you? No room at the inn for young Artie? No. You're right. You're always right. Sorry. Margaret says it's best if I keep to myself. Oh. Sorry to bother. But Margaret thinks we could help each other. Really? Brilliant. There's a warehouse in the old German camp. We could burgle it. The Victory Memorial Camp? Where all those Home Army chaps run around practicing stabbing people with bayonets? What do you want me to do there? Run around yelling, "Here I am, shoot me," while you go in under the wire? There's a thing I need from their warehouse. If you help me, I'll get you out of Wellington Wells. I just need you to turn off the power in the camp. And this isn't going to get me killed. Don't be a great girl's blouse. I'll meet you at the bunker after dark. Don't worry about the sentries on the bridge. I'll make sure they get a good night's sleep. Trust me, I know what I'm doing. Ok, bah ça promet du coup. Je vais juste check ici. I don't actually know the way out, you know. On l'a ramassé. Margaret, from school. Margaret, what's her name? Margaret. She was supposed to go on the train, but then she. Y a trop rien ici, hein, putain. Oh la merde, hein, son endroit de merde. Ah d'accord, y a tout que barricadé le mec. Au moins, il est tranquille. Oh, il y a un marteau. On peut prendre. Non, on peut pas prendre le marteau. Dommage. Oh, d'accord, il y a un passage derrière. Ok, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que le petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à checker en description pour me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et Discord pour pouvoir parler et jouer avec moi et participer à mes petits concours que je mets maintenant dessus. C'est beaucoup plus simple que sur YouTube. Ça évite d'avoir des emmerdes avec YouTube, comme on dit. On se retrouve du coup bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et à bientôt.